Je suis venu ici avec mon fils Samuel. Quand on venait ici, il était sorcier. À la prière du prophète, mon enfant a été délivré de l'esprit de la sorcellerie. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Et vraiment, je bénis encore le nom du Seigneur Jésus, vraiment pour ce ministère. Parce qu'un sorcier qui est délivré, c'est toute une nation qui est délivrée. À plus forte raison, des milliers de sorciers qui sont délivrés ici, c'est tout le monde entier qui est délivré. Donc que le Seigneur Jésus bénit vraiment ce ministère, qu'il bénit, qu'il augmente encore l'onction du prophète. Je bénis le nom de Dieu pour tous ces bienfaits de ma vie. Ce matin, je l'ai joué au cœur parce que j'étais vraiment détruit. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais quand je suis arrivé ici dans le temple, Dieu a fait le meilleur dans ma vie. Quand je venais ici, mes enfants pratiquaient la sorcellerie. Et par la prière, tu as délivré mes enfants de la sorcellerie. Donc ce matin, je viens te dire merci. Je viens glorifier le nom de Jésus dans ma vie. Bonjour. Je m'appelle Kwame Amena Florence. Quand je venais ici, ma fille était dans la sorcellerie. Grâce à Dieu, quand je suis arrivée ici, grâce à Dieu, la sorcellerie est finie. Donc je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au papa prophète ici, dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour. Je dis merci à Dieu. Ma fille qui était dans la sorcellerie aujourd'hui, elle est délivrée par la prière de Dieu, par la prière de papa prophète. Je rends gloire à Dieu. Moi-même, quand je venais ici, il y avait un truc dans ma gorge, je n'arrivais pas à prier. Quand même, elle dit qu'elle a mis. Mais grâce à Dieu, par votre prière, en tout cas, je prie bien. J'arrive à prier, j'arrive même à lier les démons au nom de Jésus. Non, merci, papa. Merci, Seigneur aussi. Par la grâce de Dieu, ils me sont très bien. Et puis, il y a aussi la force de prier et le courage de prier. Je dis merci à Dieu pour m'avoir délivré. Je lui dis merci et puis je te remercie beaucoup. Un autre souhait, c'est que tu puisses continuer de marcher avec le Seigneur. C'est ça le souhait. Hein? D'accord, papa. C'est vrai, ça, tu as été délivré, mais à quoi d'entretenir cette relation? À quoi d'entretenir cette relation avec Dieu, bien sûr? Parce que la délivrance, il faut savoir la conserver. On a fait notre pas en t'aidant. Et surtout, ta mère est envoyée à Divo. Mais à toi maintenant de prendre conscience et de marcher véritablement le Seigneur et de conserver ce qui a été fait. Témoignage de ma petite soeur. Quand on venait ici, elle a pratiqué la sorcellerie. Et grâce à Dieu, elle a été délivrée. Je dis merci à Dieu et merci aussi à papa prophète. Que Dieu vous fasse. Amen. Bonjour. Je venais à Divo, moi-même j'étais malade. Mais il y avait trois enfants qui pratiquent des sorcelleries. Maintenant, il y a deux qui sont délivrés, il reste les petits soeurs. Et je dis à merci à papa prophète. Je dis merci à le ministère et je dis merci à Jésus. Parce que je venais ici là vraiment, ce n'est pas dans ma vie. Donc je demande. Et je dis merci beaucoup avec les serviteurs. Je suis très content.